C'est une opération délicate pour une statue tout juste restaurée. En quelques minutes, la figure de femme de Marcel d'Amboise retrouve sa place dans son jardin, près du stade Chaban-Delmas. Renversée par un camion en 2019, cette statue de bronze de 2,60 m était fracturée à plusieurs endroits. Elle vient d'être remise en état par une entreprise de Périgueux. On a réalisé des consolidations à l'intérieur avec des plats en laiton pour pouvoir ressouder les deux parties puisqu'elle était cisaillée au niveau des mollets, donc la partie inférieure et la partie supérieure. Et puis après, on a eu tout un travail de complément de bronze, de soudure et de ciselure pour arriver à un épiderme qui soit aussi proche que de l'original. Initialement destinée à la piscine judaïque, cette œuvre est arrivée au musée des Beaux-Arts de Bordeaux à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mais depuis plusieurs décennies, c'est du parc Lescure qu'elle est devenue le symbole. Les riverains, ils sont extrêmement attachés, et pas que les riverains, toutes les associations sportives, les classes, tous ceux qui viennent pour l'usage de cet endroit. Et vraiment, il y a eu une bronca lorsqu'elle a été sortie de la part des associations de quartier en demandant le retour au plus vite d'Ève. À quelques mètres de là, l'athlète masculin d'Alfred Auguste Janiot se refait lui aussi une beauté. D'ici vendredi, il pourra à nouveau regarder son homologue féminine d'égal à égal.